Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour ma routine du visage. Donc aujourd'hui on est mardi et je vais vous montrer ce que je fais tous les soirs. Et en plus de ça je fais aussi des masques et des gommages. Donc ce soir je vais vous montrer un masque puisque je fais en fait deux masques par semaine. Un pour vraiment purifier mon visage et un autre pour tout ce qui est boutons. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, c'est parti. Donc pour commencer déjà je vais venir m'accrocher les cheveux tout simplement. Donc voilà, mes cheveux sont accrochés. Alors pour venir nettoyer mon visage, ce que je vais utiliser tout d'abord c'est un savon solide, donc comme ceci. Et ça c'est un savon au lait de chèvre qui est vraiment super bien. Comme vous pouvez le voir il m'en reste très très peu et franchement c'est une pure merveille. C'est un savon bio que j'ai eu sur Amazon, que je vous mettrai tous les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais franchement c'est une pure merveille. Je vais décaler la serviette, je vais l'enlever. C'est une pure merveille et je vais venir nettoyer mon visage avec cette brosse nettoyante. Donc c'est une brosse Foreo, c'est la Fofo exactement. Elle est vraiment très 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 bien. Maintenant ça va faire plus d'un mois et demi que je la teste. Et vraiment je vois une différence avec ma peau. Ma peau est beaucoup beaucoup plus belle. C'est-à-dire qu'en fait mes pores sont beaucoup plus resserrés. Je ne sais pas si vous allez voir mais la caméra floute un peu donc ça ne rend pas très très bien. Mais j'essaierai de vous incorporer des photos avant. Après si j'en trouve, mais franchement c'est une pure bombe, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc d'abord je vais venir mouiller mon visage, ensuite donc je prends mon savon, je viens l'appliquer sur mon visage comme ça. Donc là je vais regarder mon miroir et c'est un savon qui est tellement doux, il va pas venir agresser votre peau si vous avez une peau sensible. Enfin c'est vraiment génial. Donc dans un premier temps je fais comme ça, hop, ensuite je viens me rincer les mains. Je viens juste mouiller un tout petit peu ma brosse, je viens l'allumer et hop, je fais des petits mouvements comme ça. Voilà. Et dès que la brosse va s'arrêter, je vais passer à une autre zone. Ça c'est vraiment super bien, vous voyez, là ça s'est arrêté, je passe à une autre zone. Franchement cette brosse c'est une pure bombe, je vous promets. J'ai toujours voulu m'en acheter une, mais j'ai jamais passé le cap. En fait, j'ai jamais osé en acheter une. Et je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Voilà. Quand c'est fini, bah bien sûr, hop, je viens la rincer hein, obligatoirement. Ensuite, je prends ma serviette. Et en fait, je viens vraiment tapoter, vous voyez, comme ça. C'est très important pour pas abîmer sa peau. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre ce masque clarifiant de la marque Gamard. Donc c'est ce masque là, c'est une pure merveille. Donc je viens l'appliquer, je viens l'appliquer sur tout mon visage. Hop, il est vraiment super bien, il va purifier, il va matifier la peau, enfin franchement c'est trop bien. Et en plus de ça c'est une marque bio qui est vraiment vraiment top, franchement je la valide à 100%. Donc je viens mettre une assez bonne couche. Maintenant, je vais venir laisser poser 10 minutes, je vais prendre ma douche et je reviens avec vous. Je suis venue rincer mon masque. Maintenant, je vais appliquer mon produit pour les boutons parce qu'en ce moment, j'ai quelques boutons. Par exemple, juste ici, je pense que vous ne le verrez pas, mais j'ai surtout des boutons kystes. Donc, je vais venir utiliser cette crème de chez Bioderma pour les boutons qui est vraiment super bien. Mais vraiment. Donc, je viens en mettre sur mes boutons. Voilà, tac. Et ensuite, je viens appliquer ma crème hydratante. Donc, c'est la The Ordinary. C'est donc celle-ci. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Elle est quand même très très bien. J'en ai testé des mieux. Mais franchement, pour le prix, elle est bien. Elle hydrate bien la peau. Elle est plutôt pas mal. Donc, j'en mets un peu partout. J'hésite pas à venir en mettre dans le cou. Et avec la crème hydratante, je vais venir appliquer cette huile. Donc, c'est une huile de Nigel. Qui se présente comme ceci, qui va venir vraiment faire du bien à la peau, la repulper, mais aussi ça va venir pour les corriger les petites imperfections, les taches, les boutons. Donc vous voyez, j'en mets un petit peu comme ça. Et puis après, je viens mélanger tout ça avec la crème hydratante.
Et maintenant, ce qui concerne le matin, donc pareil, j'utilise mon savon au lait de chèvre avec ma brosse Foréo. Et comme crème hydratante, je viens appliquer cette crème-là. Donc c'est la Sebo Control Fluide Équilibrant. Pareil, toujours de la marque Gamard. C'est un soin bio-dermatologique qui est vraiment top pour les peaux grasses et imperfections. Ça va venir purifier, matifier. Enfin, franchement, une pure bombe. Maintenant, ça fait, je dirais, plus d'un an que je l'utilise et c'est une pure merveille. Donc, écoutez, ça, c'est pour ma routine de tous les jours sauf le masque, une fois par semaine. Maintenant, je vous retrouve pour ma routine du dimanche soir. Dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui, donc on n'est pas dimanche. Normalement, je fais ma routine tous les dimanches soirs, mais on est lundi matin. Et je voulais vous présenter ce petit instrument-là. En fait, c'est un aspirateur à points noirs et c'est vraiment génialissime. Alors là, c'est marqué comme quoi il va lifter, mais il va aussi enlever l'huile. Enfin, vous savez, le sébum. Enfin, vraiment, il a plein de bonnes choses. Vous pouvez en trouver n'importe où. Ça, c'est celui de ma soeur que je me sers tout le temps, bien sûr. On le nettoie avec de l'alcool à chaque utilisation. Franchement, ça a vraiment changé ma vie parce que ça a permis de réduire mes points noirs, mais je ne sais même pas comment vous expliquer. Donc, du coup, ça se présente. Oula, il est un peu. Ça se présente comme ceci. Donc, ici, vous avez le bouton pour allumer, le plus, le moins. Quand vous l'allumez, ça fait ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros, là, vous avez la batterie. Et après, bah, vous réglez selon les vitesses que vous voulez. Vous avez plusieurs embouts aussi. Moi, je vais utiliser cet embout-là. Voilà, j'ai utilisé ça. Et franchement, mais c'est miraculeux. Je vous conseille de tester. Moi, j'étais pas fan au début, mais parce que je l'utilisais pas très bien. Et petit à petit, j'ai réussi à l'utiliser correctement. Et franchement, maintenant, je m'en sépare plus. Ça, je le fais une fois par semaine. Sinon, ça va venir vraiment agresser votre peau. Et c'est pas ce qu'on recherche quand on fait ce type de soin. Avant de venir utiliser l'aspirateur à points noirs, je vais venir ouvrir mes pores. Donc pour ça, je prends un gant, n'importe lequel, et je vais venir mettre de l'eau très très chaude dessus. Donc je vais venir mettre de l'eau chaude dessus et comme ça va permettre d'ouvrir mes pores. Et j'aime beaucoup faire ça. Je l'humidifie bien et ensuite je viens directement le poser sur mon visage. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais venir donc passer l'aspirateur à points noirs. Et moi, je le mets sur la vitesse 3. Je trouve que c'est le mieux. Mais attention, pour utiliser cet appareil, il faut bien le faire, sinon ça va vous faire des suçons. Je vais vous montrer comme ça. Voyez, il faut vraiment l'utiliser comme ça. Après, vous pouvez remonter si vous voulez, hein. C'est comme vous voulez, mais il faut pas rester, vous savez, au même endroit. Enfin, moi je ne le savais pas au début, je ne comprenais pas comment ça s'utilisait. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment, il faut pas rester trop longtemps, sinon ça va vous faire des bleus, des suçons, enfin des trucs vraiment dégoûtants. Une fois que j'ai fini, j'ai le visage rouge puisque ça a quand même bien aspiré. Je vous montrerai pas l'embout parce que c'est quand même assez dégoûtant, donc on va s'abstenir de ça. Mais en gros, vous avez ce que vous aviez sur le visage qui était pas bon dans l'embout. Donc après, il faut le nettoyer, etc. Donc ça, je vais le faire après. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir donc laver mon visage. Et pour laver mon visage, c'est comme d'habitude, je viens prendre mon savon au lait de chèvre avec ma petite brosse Foréo, c'est la Fofo. Je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et une fois que j'ai lavé mon visage, toujours une fois par semaine, j'ai utilisé ce gommage-là de chez Nuxe. C'est une pure, pure merveille. C'est la deuxième bouteille que j'achète parce que je vous promets que, je sais pas, ça va venir. En fait, déjà, de 1, ça agresse pas la peau. Et pourtant, j'aime bien les gommages, vous savez, qui arrachent bien. Et je me suis rendu compte que c'était pas bon pour ma peau après des années à l'avoir utilisé. Je me suis tournée vers ça, parce que c'est ma soeur qui l'avait acheté. Et franchement, mais c'est une pure bombe. Je pourrais pas vous expliquer mieux, mais depuis que je l'utilise, ma peau va tellement mieux.
Et une fois que je suis venue nettoyer, exfolier, etc., je vais venir appliquer ce masque-là de chez Sephora, qui est vraiment topissime. Donc je vais venir le mettre sur toute ma zone T. Je vais laisser sécher, je vais pas mettre de minuteur, je vais laisser sécher. Une fois qu'il est sec, je viendrai le rincer et ce sera tout pour ma routine soin du visage. Bien sûr, je mettrai mes crèmes juste après tout simplement, mais c'est vraiment ce que je fais pour ma peau et c'est vraiment ce qui a changé ma vie, surtout ce petit appareil. Vraiment, il me semble qu'il a coûté 30 € à ma soeur sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos s'il existe toujours, mais on l'a pas depuis si longtemps que ça. C'est une pure bombe, je vous le conseille à 1000%. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là parce que du coup j'ai plus rien à vous partager puisque je vous ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très très plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!